la sixième maintenant que la galerie de la Banque Populaire organise ce soir. C'est donc une exposition dédiée à la sculpture. C'est un art que nous n'avons pas encore exposé depuis l'inauguration de la galerie en janvier 2017. Donc nous avions envie de faire découvrir au public un art qui est encore un peu méconnu au Maroc. D'ailleurs, les artistes marocains, sculpteurs, il n'y en a pas autant que ça. Donc, c'était l'occasion de faire participer des artistes connus, Monsieur Jamil Benani, Karim Benani, donc père et fils. Il y avait aussi ce côté filiation qui nous intéressait sur la transmission, le partage. Et vous avez aussi Monsieur Esdine Beddou, qui a aussi un parcours en tant que sculpteur, donc maintenant qui nous a fait de très belles productions. Et deux autres artistes pour une exposition collégiale. Et chacun y a amené son univers, y a amené sa touche personnelle. Et ça donne cet espace que vous voyez avec beaucoup d'originalité, de création. Donc nous avons aussi des sculptures qui ont été exposées à l'extérieur de la galerie. C'était un souhait donc de la banque et des artistes de pouvoir justement amener les gens de passage à l'extérieur à s'intéresser à cet art. L'idée m'est venue en disant qu'il fallait sectionner un peu les partitions et passer à autre chose et avoir une écriture un peu plus architecturée, etc. Et en référence à la fois à ma méconnaissance du piano, parce que j'y connais absolument rien, et aussi un peu l'architecture, les murailles, les choses comme ça. Donc les murailles m'ont inspiré des gestes un peu musicaux que j'ai essayé d'exprimer là. الثقافة نقصانا كنتمنى أنه يبقوا معارض بحال هادو يكونوا محلولين ولكن سورتو في مدن الصغيرة ما نبخلوش عليها سي فغي سي بو سي كوت شير بالنسبة للناس مي ما خصوش يبقى ليليت بالنسبة ليا كيخصو يسافر باش كلشي يشوفو كل واحد يحلم بحال لار يحلم بحال الفن التمثيل ولا الموسيقى كل واحد إلى لو دروا دو غيفي ودو ديغ أنا شي نهار غندير شي حاجة بيدي ويمكن ما بالنسبه لي ما كتسوى لا والو ولكن بالنسبه للاخرين كتسوى كلك شوز ديكسترا اوردينير tellement riche qu'elle déborde à l'extérieur, qu'elle déborde dans la rue. Et je trouve qu'elle va à la rencontre des citoyens de Rabat, de la région. Et je trouve que c'est une initiative très citoyenne d'abord de la part d'une banque, qui, quand on pense qu'à cet endroit même, il y avait une station de carburant, et aujourd'hui on a une galerie d'art, je trouve ça très intelligent, très intéressant.